Salut, salut, chers téléspectateurs. Bienvenue sur l'émission Street Chat, your number one street interaction show with me, your girl, your land song, airing on Celebrity Art TV. But wait, guys, if you haven't yet subscribed to our YouTube channel, what are you waiting for? I beseech thee to go hit on the subscribe button. You can as well hit on a notification button to be notified whenever we upload a new video. Thank you very much, and you are welcome into the Big CH TV family. With that said, guys, let's boil down to the matter of the day. Between Numerica, Miss Talio, and Stanley Eno, who dresses best and why? Entre Miss Talio, Numerica, et Stanley Eno, qui s'habille le mieux et pourquoi? I have my thought and you have your thought. So let's go find out what the street have for us. So keep watching, and this is Street Chat. Parmi les trois filles que je vais citer, Miss Talio, Stanley Eno et Numerica, qui s'habille le mieux parmi les trois et pourquoi? Numerica. Everybody come and feel the new vibe, mon bébé. Oh, oh, oh. I on the doigt la gonna grill on the phone, bébé. Non, son habillement est unique. Unique? Tu parles de unique. Comment unique? Bon, je veux dire, il connaît ce que les jeunes aiment. Et il fait un peu la différence. Ça veut dire qu'il a un peu un style un peu différent des autres. Oh, ça veut dire qu'il est toujours propre. Ah oui, très propre. Miss Talio, Stanley Eno et Numerica, qui s'habille le mieux parmi les trois et pourquoi? C'est Miss Talio qui s'habille bien. Pour été, on se connaît pas. À quoi alors? On se connaît pas. Parce que lui, il chantait bien. Parce qu'un artiste qui chantait bien doit bien s'habiller. Miss Talio, Numerica et Stanley Eno, parmi les trois, c'est qui s'habille le mieux et pourquoi? Miss Talio. Parce qu'il est chaud et il a sa manière, il a son élégance à sa manière. Oh, quand tu parles de sa manière là, comment? C'est simple ou bien c'est compliqué? Très très simple. Ok, très simple. Wow. Il n'est pas compliqué comme les autres. Oh, donc tu n'aimes pas les gars compliqués? Non, 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 les gars compliqués, bon, c'est trop bizarre. Tout simplement parce que les gens ont vu que le naturel, c'est comme si Dieu a mal fait de les créer. Oui. D'autres veulent se décaper, ils veulent faire ce qui est au-dessus de eux. Je préfère m'installer. Moi, je choisirais Stanley Nock. I don't walk, I know be small. See my foot. Up, down, around town. See my boots. Parce que j'aime bien sa façon de s'habiller et j'aime aussi son style. Donc, même sa musique. Bon, c'est vrai que Miss Talio aussi, quand même, il fait de la bonne musique, mais côté habillement, bon, il n'est pas aussi fameux que ça. Mais Stanley, c'est le top des tops. Habillement, musique, tout. J'aime bien. Been walking so hard with the king, yeah. Miss Talio, Stanley Eno, Numerica. En ce qui concerne ces trois stars, moi j'aime bien la musique. Oui. Miss Talio chante bien. Oui. J'aime sa voix. J'aime son style musical. Oui. En ce qui concerne Numerica, Numerica me plaît bien parce qu'il touche un peu de sentiment et il touche aussi le mouvement, quoi, l'amusement, le show. Maintenant Stanley. Il ne me touche pas trop, mais j'aime bien Stanley. Pourquoi? Parce que il représente en fait le rap. Dans le rap camerounais, il y a le rap, mais il n'y a pas son style, il n'y a pas sa particularité. Quand tu regardes Stanley Eno, tu as l'impression de voir l'Amérique au Cameroun. C'est justement pourquoi Stanley Eno lui me marque. Parce qu'il a sa spécialité, il a son style, il a son style là. Donc son style vestimentaire n'est pas trop extravagant. Mais ce que je n'apprécie pas chez Stanley Eno, pour dire vrai, c'est son arrogance. Il est très arrogant. Il est trop sûr de lui, quoi. Mais hormis de ça, c'est la confiance, non? Non, c'est un peu de trop. Sa musique, son style vestimentaire, il fait vraiment dans la classe en ce qui concerne son style vestimentaire. Et maintenant, dans sa musique, ce qui me fait en fait, genre, même si j'aime pas le rap, parce qu'il m'a fait un peu aimer le rap. Parce que moi, j'aimais pas le rap. Moi, j'aime le slow, le zouk, la musique un peu douce, là, oui. Mais maintenant, Stanley, quand j'ai regardé Stanley pour le début, les débuts, je ne maîtrise pas tous ses sons, mais quand je vois, je sais que non, c'est Stanley. Donc, quand j'ai regardé dans le début, j'ai dit, mais un Camerounais qui fait ça,
qui chantent comme ça. Non, c'est trop beau, c'est trop bien. Quand j'ai vu maintenant dans, aux États-Unis, tout j'ai dit non, ça c'est vraiment. Il fait honneur à la culture camerounaise en fait, dans le domaine du rap. Donc c'est ça en fait. Mais Numérica, moi je trouve qu'il est le mieux par rapport à mes préférences quoi. Il est le mieux. Il est la star parmi les trois qui s'habille, le mieux. On m'appelle Baba, tu connais mon topo. Toujours choco, tout sur moi là c'est le popo. On a l'argent à gogo, on le popo, un du croco. I'm in love with the coco. On s'en fout de l'église. Alright guys, we've actually joined to the end of today's episode. I hope you like it. To watch more of our videos, you can link to our social media platforms on Facebook, and you can as well subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for speaking, and this is Street Chat on Celebrity Art TV. Bye. On est venu tout gâter, valider. Tout gâter, valider. On est venu tout gâter, valider. Tout gâter, valider. Où sont basés les jaloux, valider. Les jaloux, valider. Où sont basés les jaloux, valider. Les jaloux. Oh.